Tony qui est très très compliqué à abattre, mais forcément il va falloir tout donner ici pour Naitoru, qui fait lui aussi l'un des tournois de sa vie. Et le public Solari qui est derrière plutôt bien évidemment la légende du club. Première game en tout cas ici sur Small Battlefield entre Gluttony et Naitoru. C'est parti. 30% affiché des deux côtés, on trouve la downtrow, on trouve les combos et ça va être important de faire mal. Mais ce qui va être le plus important pour Naitoru dans cette game, dans ce set, face à Gluto, ça va être de tuer. Parce que Wario, c'est un personnage très difficile à tuer, mais lui, il te tue très très bien. En tant que Pichu, t'es très léger, t'as très peur de ça. Et on sait que Gluttony, il est très fort contre les rats. Un set contre plus que positif face à Issam, face à Nirose, face à quasiment tous les joueurs de rats. On trouve lui dans le titre, la dash attack, excellent DI, pas suffisant, mais j'ai peur de ce backer et j'avais raison. Et t'avais bien raison d'avoir peur, faut savoir que Gluttony n'a littéralement jamais perdu contre Pichu. Mais il n'aime pas le match-up, il trouve bizarre, il trouve que c'est pas consistant. Que des fois quand il prend des confirmes, etc., il sait pas s'il a mal joué ou bien. Oh non. Cette stock qui va disparaître de par ce common grab, il est tout simplement mort à zéro. Houdini, mais quelle sorcier telle Houdini va venir mâcher, récupérer, voler la stock de Naitoru. Il a une vie complète d'avance, il va gratter sur cette vie-là, il va trouver le paix, moitié, le half, waouh! Mais quel match! Mais quelle démonstration de force! Il veut le briser, mais il n'y arrivera pas, parce qu'il est venu, il est arrivé jusque-là. Eh bien, j'en perds mes mots, j'en perds mon latin, messieurs, dames, si vous auriez vu mon faciès, ma gueule, la visage que j'ai fait au moment de la fin de cette game, eh bien, tu serais surpris. Comme dirait Roi Enoch. T'entends? Tu vois ce que je veux dire? T'entends? Tout plein de choses. Un faciès un peu serré. Un faciès un peu ébahi, étonné du résultat de cette game. On t'entend. Black Bigot, c'est clairement une marche difficile à franchir pour Naitoru. C'est l'étape ultime. Le meilleur joueur de France, un des meilleurs joueurs du monde, potentiellement meilleur joueur d'Europe. Ça se bagarre en ce moment pour la première place. Un des meilleurs joueurs face à ce personnage. Et en plus de ça, il le connaît par cœur. Tout y est. Il n'y avait pas meilleur adversaire pour Naitoru pour montrer sa progression, pour montrer à quel point c'est un champion. Ouais, Gluto, c'est encore un sommet très très haut à atteindre. Naitoru qui va devoir tout donner. Et le regard est un petit peu moins déterminé après la douche froide au cours de cette première game. Mais il faut se concentrer, il faut tout donner. Tout reste possible et faisable pour Naitoru. Allez, remporter 2-7 face à Gluto, c'est quand même compliqué. Surtout que historiquement, on le rappelle, Gluto n'a jamais perdu face à Pichu. Pikachu, il a un très bon record, mais je pense qu'il a déjà dû drop quelques sets contre Pichu. Il n'a jamais perdu. J'irais même jusqu'à dire qu'il n'a jamais perdu contre les deux. Je prends le risque. On part sur destination finale. Le stage choisi par Naitoru, un de ses meilleurs terrains historiquement. On met la pression, on a le centre du stage. On a l'avance au niveau des pourcentages. On l'a déjà vu plus tôt auparavant que cette avance en termes de pourcentage. Elle voulait pas dire grand chose, en tout cas face à Wario. Parce que Wario, c'est un personnage très lourd avec un bon désavantage. Qu'est-ce que je raconte? Le Diablo, la première vie est prise. Le quasiment zéro to death. Un message est envoyé. Et bien, visiblement, destination finale, eh bien, ça sourit à Naitoru. Tout à l'heure, face à Harker, j'avais des doutes. Les doutes ne peuvent plus être permis. Naitoru refuse que l'on doute de lui. Naitoru est toujours en vie. On l'avait vu face à Long également, dos au mur. On pensait que c'était terminé. Mais beaucoup d'abnégation, beaucoup de résilience, beaucoup de caractère chez ce joueur eBay. Que Nenny, ce n'est jamais terminé. Avec au plomb, Naitoru, un vrai spartiate. Les neutres à l'air, le dans l'air, le fort à smash. On tente des kills options. On veut avoir une vie de plus d'avance, plus besoin d'approcher. On fait pleuvoir une pluie de tijoles. Faut faire attention à l'adaptation de Gluttony. Il est bientôt prêt à punir ses derniers tijoles. La F3 et chercher la petite feinte pour forcer la reco de panique. On va venir punir ce saut classique. Shit, classique en termes de let's rap, le back air, on égalise au niveau des buts. Ouais, on tente les grosses rides là côté. La moto qui vient un petit peu extend la hitbox de ce dance match. Ça sourira ici Naitoru. On a le même nombre de stocks, mais on connaît Gluto, Tech Chase encore, un forward smash. Ça c'est la win condition. Face à Pichu, quand t'es éjecté au sol, on appelle ça une tech. T'es éjecté au sol, il faut la réussir. Il faut avoir le bon timing parce que sinon, dès que tes pourcentages sont rouges, voire orangés, tu es mort. Même si tu t'appelles Wario, même si tu t'appelles Gluttony. Une vie d'avance, plus besoin d'approcher. Fais pleuvoir les tijoles. Fais-le galérer. Fais-le travailler. Ish, Togo le garçon. On trouve encore une fois un tijol. On va tenter de catch le double jump. Ce n'est pas sauce faite. Faut whiff punish. On est patient. Malheureusement, un peu trop. Le neutre à l'air, ça va suivre. Un upper, beaucoup de choses. Les frame trap, on a le centre du stage. On a le centre du stage, on prendra un forward air quand même qui rendra le centre du stage, le fameux. Il est encore raté! Troisième! C'est pas assez! Forward. C'est pas assez, il le savait! Si, c'est dommage! C'est tellement dommage! Punition! Forward
smash, mais c'est pas la meilleure des hitbox. On essaye d'aller chaque dans les airs. Il y aura un fantôme foussoul qui permettra à Gluttony encore une fois de se replacer. Deux stocks du côté de Nae, plus qu'une seule du côté de Gluttony. On est dans les situations critiques, on est en last hit du côté du joueur Solari. On est en last hit, on est dos au mur, on n'a plus beaucoup d'options, plus beaucoup de jokers côté Gluttony pour éviter l'égalisation. Encore un T-Jot, encore une fois, on utilise tous les projectiles, le T-Jot, la moto, le trailer en termes d'aérien, le dernier laissera peut-être le pari. Excellent, le smash tout aussi excellent. Égalisation de Naitourou avec la manière. Avec la manière, avec le caractère, c'était Territ qui nous a fait. Il a pari le downer, il a reculé, il a trouvé le smash à l'atterrissage. C'est du n'importe quoi. Il a extrêmement bien répondu. Et je pense qu'on ne reverra plus DF. Genre, plus jamais, plus jamais. Reset, si tu veux, on ne verra plus DF. Il est trop fort. Il a compris la leçon de Gluttony, il est malin, il réfléchit vite. Il a tenté de laisser le dessin au final pour voir. J'ai un joker, j'ai une game d'avance, j'ai même un reset. Mais là, je pense qu'il a compris. Ne laisse pas destination finale à Oplon, Naitourou. Mais quel monstre. Le pari sur le premier du downer. Ensuite, on est venu punir ce lag, punir cet atterrissage avec le up smash. Je suis assez choqué. Après, en vrai de vrai, je pense qu'on ne reverra pas DF. Je ne vais pas changer d'avis là-dessus. Mais je pense que DF, pas DF, Gluttony s'est fait déjà block 3 fois, 3 ou 4 fois. Il a raté des techs, ça va pas arriver toute la vie. Ouais. Je ne vais pas dire que c'est de la chance, mais Gluttony va très vite corriger ce détail-là, je pense. C'est pas possible d'éviter toutes les jablocks parce que le neutral air surtout est très dur à react. À la limite, le T-Jolt, tu peux un peu t'y attendre. Le neutral air, c'est très compliqué. Donc, on pourrait revoir d'autres jablocks, mais pas autant sur une même game. Pas des jablocks qui font autant la différence. On devrait très rapidement corriger le tir sur ce secteur de jeu pour Gluttony. Gluttony, une des meilleures adaptations au monde, si ce n'est la meilleure. Le neutral air, le deuxième hit qui va venir connecter. On est sur PS2, on a de l'espace, on peut camper, on peut jouer autour des T-Jolt. On va venir se faire whiff punish, la tech chase. On est parfaitement positionné pour couvrir toutes les techs strall back air. Pour la tech in, le petit avalement, le petit neutral B, on perd le centre du stage, on n'a pas l'avantage en termes de pourcentage, on n'a pas grand chose côté Gluttony pour ce début de game. On prend ce T-Jolt, il fait très mal, plus que celui de Pikachu. Faut faire attention à cette frappe. Ouais, il faut sortir de ce bord de terrain. Ce sera chose faite avec double forward air par la suite côté Gluttony. Belle back throw ici, un beau grab qui va être trouvé. On trouve pas mal de grabs quand même côté Naitourou. Ça aussi, j'ai un petit doute sur le fait de combien de temps ça va durer. Est-ce que Naitourou va continuer à réussir à trouver autant de grabs sur Gluttony? J'ai un petit doute à ce niveau-là, mais seul le temps nous le dira. On ne peut lire dans l'avenir, on n'est pas médium. Par contre, le présent, on le voit, et dans le présent, ce qui se passe, c'est un très beau dance match de la part de Naitourou qui prend la première stock dans cette game. Un magnifique dance match parce que Wario, même quand il a plus de saut, même quand il a plus d'air dodge, il a un drift tellement bon que c'est difficile de réussir à catch les landings, et c'est même risqué parce que tu peux te faire renverser, tu peux passer d'une situation avantageuse à une situation très compliquée. Mais là, la précision Naitourou a fait mouche, la précision Naitourou lui a permis d'avoir une vie d'avance dans cette game. À nouveau upper forward air 45%, il y a le thunder, faut faire attention à ton double jump mon cher Gluttony. Mais quel buff! C'est mal payé parce qu'il avait eu de la chance que le downer ait pas eu la bonne hitbox, ça l'avait spike. Mais attention, il revient directement dans le forward tilt. Grosse phase en début de stock. Suivante infligée par Gluttony. Up pro upper qui vient connecter à une cinquantaine de boutons. Je pensais que c'était un petit peu tard, mais il n'en est rien. Le mode top player a été activé. Le bouton a été tourné. Le standard trouvé pour Nae. Fatal Foudre. Le spike, on reprend les devants. Je suis choqué, Black Bigot. Je suis choqué du niveau, de la présence d'esprit, de la précision, de la maîtrise de Pichu du côté de Naitourou. Il savait que s'il y avait une Roco Aïe et qu'on se positionnait à ce moment-là et qu'on plaçait le nuage à 90 degrés, on pouvait envoyer Gluttony vers le bas. C'est exactement ce qui s'est passé. On a lead, mais les fesses sont pleines. Le Wario est marron, il faut faire très attention. Ouais, le chicken spot a été ingéré encore une fois. On a ces deux stocks, on va tenter de prendre celle-ci à la régulière et puis de réserver un vilain, une très vilaine surprise pour la stock suivante du côté de Gluttony. Très bon neutral B, et à peu de choses près, à peu de choses près, tout le monde meurt. Effectivement, c'est à quelques pourcentages près. Ouais, là malheureusement on n'a pas trouvé de jablock, ou heureusement du côté de Gluttony on va réussir à Roco. On a tenté le tout pour Naitourou, on veut vraiment le lead dans ce BO, on veut vraiment l'avantage, on veut vraiment le reset. Le deuxième hit neutral, l'air qui a connecté, ce sera peut-être un P, ce sera peut-être un warp, l'air dodge directionnel, on sent la panique, on veut sortir de cette situation côté Naitourou, on a un warp et là Gluttony il est patient, il est en mode tueur. Ouais, moi je pense qu'il aurait dû tenter le waft après le deuxième upper. Pichu est très léger, il y a un petit peu de rage, on était proche du bord du terrain. On a cherché un deuxième upper. Baltimore. Oulalalala. KX, Y, Z, mais bon, Y. Yamaha. On s'est calmé côté Gluttony au niveau de la moto. Mais on est toujours en last. Y'a plus de moto, y'a 15 ans. On a waft pour mixer les timings. Il a tout étendu, mais quel honneur. Mais quelle patience. Mais quelle précision. Mais quel joueur. C'est magnifique ce que vient de nous proposer Nae une fois de plus. C'était magnifique. Il n'y avait plus de moto, il n'y avait qu'un saut. Gluttony qui consomme son warp pour tenter de revenir sur le terrain et se dire ok, je vais recoin, non, je fais du reco down. Mais Nae a tous les outils pour simplement attendre, observer son adversaire et punir de par ce downer. Une fois de plus, Spike descend. Naitourou est tellement létal, ce n'est plus du cheese.
c'est de la qualité de jeu. Il trouve toujours les moyens de jouer relativement tôt. C'est une folie. Je la veux, il me faut ma dose. Je veux revoir la dernière action. La gluttonie, il avait plus beaucoup d'options. Il était obligé de sortir un méga mix-up de timing. Il a décidé d'utiliser le waft. Et Naitoru, il était prêt. Boum. Il était positionné. Il a été précis. Il a été incisif. Je veux revoir. Et heureusement qu'on a cette résidue de qualité. Ah, c'est magnifique la prod, vraiment. C'est là, regarde. Le waft, parce qu'on a plus de saut. Major, neutral, l'air dodge. Il attend l'air dodge. Mais quel monstre. C'est vraiment terrible. Quelle réaction. Il est dans la zone. C'est vraiment terrible. Naitoru. Regarde-moi ce regard. Game du reset. Naitoru très déterminé. Naitoru prêt à écrire l'histoire. Ce serait la plus grosse perf qu'il aurait pu réaliser s'il venait à remporter cette Solaryland. C'est tellement stack. Nae prêt à écrire l'histoire. Nae une game d'aller reset. Ce ne serait pas la fin du job. Mais ce serait 50%. Ce serait la moitié du travail qui aurait été accompli. Ouh, les dégâts qui pleuvent. Les dégâts puis pleuvent. L'ingéniosité de Gluttony en avantage tête, il sait se placer, il sait comment faire pour venir te faire cramer tes options, les couvrir et t'infliger énormément de dégâts. C'est vraiment un joueur de fou. Là, on avait plus de saut, plus de waft. Plus de saut, plus de moto. Heureusement que ça n'a pas connecté. Ouais, ça aurait pu être la fin. Ça aurait clairement pu être la fin ici. Nae qui a beaucoup de ressources. Vraiment, à chaque fois qu'on pense qu'il est terminé, eh bien, il nous montre de nouvelles choses. La moto ici, encore une nouvelle fois. Est-ce qu'il y a un saut ici? Non, il n'y en a pas. Mais ce B va lui suffire à se replacer. Up pro Sanda. Ça va pas suffire. Ça va pas suffire, c'est pas passé loin. Mais ce forward air, il sera suffisant. Naitoru qui continue à avoir l'avantage. Naitoru qui continue à prendre la première vie, à faire courir Gluttony contre lui. Le petit trip, le gros combo, les neutral air, le frame trap, la balle. Pardon. 50%, il n'y a plus de moto, il y a encore un saut, il y a l'air dodge, on s'en sort. On s'en sort, mais à peu de choses près quand même. Grosse phase de la part de Naitoru qui a failli sauter une tech chase. Mais le beau backer ici en désavantage. On tape pas forcément souvent en désavantage côté Gluto. Donc c'était une surprise ici. On s'y attendait pas nécessairement. Il y a la moto. Mais on peut aller derrière une tech. Tony, mais il s'en sort. Il s'en sort la belle tech, la belle patience, la belle présence d'esprit. On était pris, on a l'habitude de ces phases offstage. On a l'habitude de jouer contre des monstres, dont Naitoru. Le grab qui est wifi au sol, ça va permettre à Gluttony de respirer, de sortir la tête de l'eau. Mais pas si longtemps que ça. On va le renvoyer en ledge trap. On était prêt à couvrir l'air dodge. Malheureusement, Gluttony avec le très beau drift. Il s'en sort encore une fois. Excellent désavantage pour le Gluttony, même sans la moto, même sans le centre du stage. Il n'y a pas la moto, mais on s'en sort tout de même dans ce désavantage côté Gluto. On essaye de s'en resservir de cette fameuse moto et on en a besoin. Un fort wanty qui va être essuyé. Une phase ledge trap qui aurait pu être exécuté, mais on fait le choix d'aller reset la moto, de l'avaler, d'attendre le cooldown et de l'avoir dans la poche tout simplement, de pouvoir la sortir dans ce genre de situation. Et on en a besoin dans ce genre de situation pour Gluttony. On est even en termes de stock. Gluttony qui arrive à gratter quelques pourcents. Oh, Thunder, ça va! 50, 50, 50, 50, DL in ou DL out, fais ton choix, mais t'as une chance sur deux de mourir dans cette situation. Naitoru encore une fois à nouveau avec le lead. La dash attack, la dernière catch, la fin d'invincibilité. Pichu, un personnage très particulier, quand il reste accroché au ledge, ses oreilles dépassent. Donc tu peux le toucher avec bon nombre, avec moult de coups. C'est terminé, on va attendre. Ça pue. La plante à mort, de Naitoru, le jeune qui veut le faire remporter. On a attendu l'air dodge, la ride était parfaite côté Gluton. Mais le waft va être loupé. On a 20 petits pourcents d'écart, mais visiblement le jeu est du côté de Naitoru. Ça n'a pas connecté pour une raison d'histoire très beau, c'est grave. Le niveau est trop élevé, c'est backer aussi en tout frame. Il connaît le match-up, il connaît son personnage, il connaît Smash Bros. Il sait comment aller en Game 5. Le backer, on vous l'a dit, Pichu, un personnage très simple à tout frame. Il le sait, il l'applique. Il connaît Smash Bros comme sa poche. L'ami Gluttony est au bout du fil. Ce backer qui est trouvé pour venir attraper, interrompre cette recovery, ce retour sur le terrain de la part de Nae. Nae qui a fait une game mais excellentissime. Mais finalement, Gluttony très clutch, comme à son habitude, réussit à l'emporter. On va pouvoir voir ça avec les replays une fois de plus. Très beau forward air après une grosse phase qui avait été trouvée ici en dehors du terrain. Ah, beau backer en désavantage, on ne s'y attendait pas à celui-là. Clairement, et c'est vraiment, c'est le haut niveau. Je sais pas, il y en a peut-être certains qui s'attendaient à une finale non disputée. Bah tenez, tiens, retiens. Regarde-moi ce niveau des deux côtés, surtout du côté de Naitoru. Il connaît trop bien le match-up, il connaît trop bien son perso en fait. Il sait que Pichu, ses oreilles dépassent, qu'il peut toucher avec plus de moves que d'habitude. Encore une fois, Pichu, un personnage très simple à tout frame. Faut vraiment être ingénieux au niveau des mix-up de timing. Côté Naitoru, on l'a été un peu moins, s'est fait punir, on est en Game 5. Les 3 kills de Gluto étaient extrêmement ingénieux, effectivement. On va donc rentrer en Game 5. Gluttony qui pourrait clore ce tournoi. Naitoru qui pourrait relancer le bracket, étant donné que Gluttony pas encore perdu. S'il perd, il descend en loser side. Il n'y a personne en loser side, donc on remonte immédiatement en grande finale et on reset cette fameuse grande finale. On va avoir un petit combo ici qui va être proposé par Naitoru. On était quasiment even, mais la gifle de Will Smith a été
subi par Naïs. Subi clairement. Les phases sur la plateforme, il se positionne parfaitement pour venir couvrir toutes les options. Upper dans l'air, des gros dégâts sont infligés. Le neutral air aussi. On a le double jump, on réussit à s'en sortir, on réussit à récupérer le centre du stage. Côté Gluttony, on met la pression, on joue autour de la moto, on veut forcer les erreurs, on veut forcer l'approche, on veut forcer l'impasse sol. On réussit à trouver ce forward air. Pas énormément de reward. Là, le F-tip malheureusement qui va être wifié, qui va être parfaitement puni. Côté Naïtourou, faut faire attention au tout frame. Le dans l'air qui a très peu de lag, c'est peut-être un bait. Le dans l'air d'Asha Taxa ne connecte pas. Pas de munitions côté Naïtourou, c'est malheureux. Ah, c'est dommage, c'est dommage. Ça peut lui coûter cher ici. Heureusement qu'on prendra pas ce forward tilt. Dans ce match, ça devrait être la fin. Très peu de choses près. Mario, de par son poids ici, peut survivre. Le coup de moto, ledge trap renversé. Quelle est cette situation? Un saut peut-être? Non, ce sera une roulade évitée, consumée par une dash attack. Et le back air en couverture de saut. Quelle phase! C'est un qui était très important. Quelle phase! N'oubliez pas qui il est. N'oubliez pas ce qu'il a accompli. Il est très très bon. Il est très très fort. Super Smash Bros Ultimate. Mais quelle lecture, mais quelle attente. Côté Naïtourou, ça se rend fou pour qu'on n'a pas le temps de. On n'a pas le temps de respirer, tout simplement. On n'a pas beaucoup de choses. Installez-vous, placez-vous. C'est la grande finale. C'est le 2-1. C'est le 2-2, pardon. C'est la game 5. Les gros combos. Forward air. Oh mon dieu, oh ce reverse, oh, il s'attendait ainsi. Vraiment le désavantage de Gluttony à chaque fois au moment où aussi à toi le moins il réussit à inverser les positions. Tu vois ici, vibe check, down tilt, on recule tout simplement. Si le down tilt tape le shield, oh, tant mieux. Si ça touche l'adversaire, encore mieux. Mais on ne prend pas de risque côté Glutto. Mais oh le joueur. Là, et qui trouve une phase d'avantage par la suite, le backer. Fantôme Foussoul pour se replacer. Fantôme Foussoul, il n'y avait plus de saut. On utilise les dernières techs, oh, on est dans notre dernier retranchement et on trouve le dernier waff. Après ce uptick, le half waff sera suffisant parce que Pichu, c'est très léger. Mais quel joueur, il avait quasiment pas sorti du set. Et c'est en game 5 qu'il vient pour briser les espoirs de Naïtourou. Up 3 up air, faut pas taper faire. Faire attention, faut pas se faire bait, faut rester patient, faut pas craquer. Il faut encore cette abnégation qui t'a emmené aussi loin, Naïtourou. Expérience deep. Ici, on commence à taper en désavantage. On veut à tout prix récupérer cette stock. Il y aura une forward throw, il y aura peut-être une phase d'edge gagne. Il y a une air dodge, il n'y a plus grand chose, mais on s'en sortira. Non, puisqu'il y a ce down air en couverture, ça va spot, certes, mais ça suffira ici à Naïtourou à prendre la stock. Le waff n'est pas disponible. Un mid waff devrait peut-être ne pas tarder à arriver, mais je ne pense pas que ça puisse faire la différence. Roll out ici, ne pas se faire attraper. Naïtourou en face des traps, c'est compliqué. Peut-il aller réaliser cette grande finale? C'est pas fini, il peut le faire, il suffit d'une phase, il suffit d'un grab, il suffit d'un dentil. Il l'a déjà fait, il l'a fait maintes et maintes fois, il a déjà joué beaucoup de game 5, il a déjà fait beaucoup de combats. On est en neutral, on reste patient, on veut bait. Je dash vers l'arrière, je te fais croire que tu peux sauter, je viens d'entier, on en laisse trap, on met la pression, on est positionné le forward air pour venir renverser l'adversaire. Gluttony, il a pas peur de speedshow, Gluttony, il a pas peur de cette agressivité, Gluttony, il a pas peur d'utiliser cette moto, Gluttony, il a pas peur de récupérer le centre du stage, il a pas peur d'utiliser son donner, il a pas peur d'air dodge et il a pas peur de trouver ce back air. Victoire de Solari, Gluttony chez lui pour son tournoi, le roi de France ne descendra pas du trône. Écoutez-les. Je vous laisse apprécier. Il n'y a pas de mots, il n'y a rien à dire. Et le hug entre un CEO et son joueur. 5 ans après le recrutement, 5 ans de confiance, ils ont misé sur Gluttony, ils ont misé sur Smash Bros. Et ce tournoi, il représente vraiment ces 5 dernières années. Gluttony qui a poussé la scène derrière lui, Solari qui a aidé la scène à se développer. Et maintenant, regarde-moi le niveau de la scène, regarde-moi le niveau des joueurs, regarde-moi le tournoi, regarde-moi ce top 8. Moi, ce que j'aime bien voir, et c'est un peu triste, mais c'est la déception de Naïtourou qui, certes, perd contre Gluttony en grande finale, à tour, etc. C'est presque impossible à gagner ce genre de set face à lui dans cette forme, avec ce niveau de jeu qu'il propose, etc. Et pourtant, une énorme déception, une déception titanesque qui montre son esprit de combativité, sa mentalité. Il aurait voulu gagner, il était capable d'aller gagner. Il a fait un très beau set. Mais on l'a dit, Gluttony n'avait jamais perdu contre Pichu et ce jour n'est pas arrivé. Deuxième, c'est dernier. C'est la mentalité Naïtourou. Il a ce chien en lui. Il y en a beaucoup qui se seraient satisfaits d'une game 5, d'une deuxième place face à Gluttony, mais ce n'est pas son cas. Et c'est pour cette raison qu'il arrive à aller à chaque fois toujours aussi loin. Donc je veux un maximum de bruit. S'il vous plaît, un maximum de bruit pour Naïtourou. Très, très grand respect à ce joueur, vraiment. Et quel run, hein, quel run. On en reparlera, bien évidemment. Mais quel parcours, quelle tête il a abattu pour arriver jusque-là, c'est complètement fou. Et au plomb est bien loti avec Nespol et Naïtourou, deux joueurs d'exception qui font toujours des surprises. Et c'était le jour de Ney hein, qui a fait une très 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 grosse performance. Il nous a vraiment montré deux choses excellentes. Ibé, c'est la fin pour toi et moi, c'était exceptionnel. J'ai passé un moment de taille. C'était dingue, comme d'habitude, Smash Bros. I love this game. J'aime beaucoup ce jeu. J'aime beaucoup le commenter. J'espère que vous avez passé un bon moment. Nous, oui. Et on vous laisse entre deux très bonnes mains. Peace.
Ouais, c'est sur nous. Ouais, c'est sur nous. Est-ce que ça va, le public? Tout va très bien, évidemment. Nos ultras sont aux anges, sont en liesse. Oh là là, Solari qui gagne chez Solari. Alors, évidemment, quand on a écrit le script cet après-midi avec Sakor, on se disait qu'une fin... En fait, si on mettait Léon et Gluttony en grande finale, ça allait être un peu gros. Donc on allait juste mettre Glutto et puis comme ça, c'était fait. Bon, allez, on va quand même passer un petit peu de temps avec nos deux joueurs. Ça va être très rapide parce qu'après, évidemment, on va donner la parole. Moi, je vais fermer ma gueule et je vais évidemment donner la parole aux gens que ça concerne, c'est-à-dire Solari. Alors que... Donc, je vais t'attraper. On va donner déjà la parole à Naetoru qui a fait un travail absolument extraordinaire aujourd'hui. C'est le cas de le dire. Bon, parlons peu, parlons bien. Toi et moi, on était au Summit, ok. On a pu voir un petit peu à quoi ça correspond de voir un joueur progresser, voir un joueur qui monte, en température. Là, t'as énormément progressé. Ça a été la meilleure loser run de la journée du tournoi, Nae. C'est incroyable. C'est comme ça. Non, en vrai, je suis content parce que j'ai vraiment passé toute la journée ultra stressé. Genre, c'est rare les tournois où je stresse comme ça. Et là, vraiment, toute la journée, j'étais pas bien. Genre, je respirais fort et tout. C'était le bordel dans ma tête, tu vois. Et je suis quand même content parce que, au fur et à mesure du tournoi, genre, je sentais que je jouais mieux. Genre, la journée, elle a commencé et tout. C'était bizarre un petit peu. Je m'en sortais, mais c'était. Ouais, c'était pas ça, tu vois. Et au fur et à mesure, ça commençait à revenir, ça revenait. Et plus le temps passait, plus j'affrontais des joueurs forts. Donc, au final, heureusement. Et. Globalement, je suis content. Je suis fier de ce que j'ai fait. Évidemment, je veux toujours plus. Mais faut savoir accepter que des fois, la run s'arrête et elle s'est arrêtée là. Hein. Quel joueur ! Quelle humilité ! Ah, c'est fou, non ? Pas mal, non ? Incroyable. Pas mal, non, mon Sakor ? Quel joueur ! Mais moi, j'adore ça. Tu vois, les joueurs émotifs comme ça, qui vivent leur match. En plus, ça, il a fait des comebacks de zinzin à chaque fois dans les games. Non, franchement, tu peux être fier de toi. Je sais que finalement, voilà, c'est pas ce que t'attendais, mais il y aura d'autres tournois. T'en veux pas, tu pourras du coup montrer que tu fais partie des plus grands d'Europe. En tout cas, vous pouvez encore faire un maximum de bruit pour Naetoru, le boss. Évidemment. Gluto, pourquoi tu te rassois là ? Viens là. Pourquoi tu te rassois ? Oh, très joli drapeau. Bon, mon Gluto, une victoire à la maison. Est-ce que vraiment tu pensais remporter ce tournoi Solari là, ici bon, même Regarde le drapeau que j'ai. C'est vrai ça ? Comment tu veux que je perde ? Vas-y. C'est impossible. Je tenais à le tenir. C'est impossible de perdre. Ah, impeccable. Attends, je vais brandir un petit. Vas-y. Ouais. Impossible de perdre. Alors bon, là, t'as eu du fil à retordre quand même hein, aujourd'hui, hein, notamment Naït qui t'a poussé Game 5 ici du premier set. C'est globalement un bon feeling hein, que j'ai l'impression que tu as. On a eu effectivement une période pour toi où tu devais réajuster. Tu sors d'une victoire contre Bloom Forever à l'Icarus qui était fantastique. Maintenant, tu remets une couche ici à cette Solari LAN. Est-ce que tu es pour de bon le meilleur joueur d'Europe ou pas ? T'abuses des questions comme ça, toi aussi. Là. Non, toi, t'abuses des questions comme ça. Laisse-le tranquille. Tends-lui le micro. Attends le coffre. Tends-lui le micro. Si je le suis pas maintenant, je le serai plus tard, de toute façon. Okay. Voilà. Il est fort. Hey, ça sent les cours de social training avec Solari. Ah, tranquille. Non, mais de toute façon, on attendra le coffre. Il y a le coffre dans deux semaines aussi, on le rappelle. Donc, il y aura un gros tournoi avec, du coup, Kurama Bloom, du coup, qui sera présent. Donc, on verra un petit peu comment ça se passait. En tout cas, aujourd'hui, c'est toi le gagnant de cette Solari LAN. Qu'est-ce que tu as pensé du tournoi déjà ? Déjà, c'était incroyable d'avoir un tournoi dans une venue comme celle-là. C'est très rare, moi qui ai fait beaucoup de tournois, même à l'étranger, que ce soit au Genesis ou des tournois, je pense à la SmashCon. Franchement, cette venue-là, elle est en fait mieux. Genre, au niveau de la lumière, au niveau de la disposition. Aussi, la prod du top 8, je suis choqué, c'est encore mieux que le Genesis, alors que déjà, le Genesis, c'était limite le plus haut niveau. C'est un truc de fou, comment c'est trop bien. Tout le monde aime ça. Il y a même des gens qui se demandent comment on fait pour avoir ça, en fait. Parce que, forcément, on est moins de joueurs que les États-Unis ou le Japon. Mais au final, on a une prod de fou, on a des tournois de fou. Et forcément, c'était impossible de ne pas apprécier ce tournoi avec autant de niveau, autant de gens qui apprécient être là. Et ça fait plaisir aussi. Tu vois que les gens, ils sont heureux d'être là. Il n'y a pas juste des gens qui sont pour la compétition et ils se cassent. Ils sont heureux d'être là, ils sont heureux d'être avec leurs amis et ils ont profité de l'événement et ça fait vraiment plaisir. C'est grâce à l'argent de Wax, évidemment. Exactement. On a eu tout ça. Là-bas. L'argent de Wax, le boss. On a volé tout son compte en banque. Hein.
Ça, c'est les subs en solo queue. Elle a dit, allez, ça me régale. Exactement. C'est pour moi, le boss. Évidemment. Bon. Moi, je crois qu'il est peut-être temps que je te donne la parole, que je la ferme et que je vous laisse clôturer tranquillement. C'est ça. Et voilà. Marcus qui va rejoindre, qui est là. On peut l'applaudir, Marcus, évidemment. Donc voilà. Est-ce qu'on t'entend, Marcus? Vas-y, parle un petit peu. Ouais, vas-y. Tiens, ah, c'est bon. Ah, c'est bon, c'est bon. Ah, c'est parfait. Voilà. Bon, du coup, on a des médailles pour le top 7. Exactement, le top 8. Le top 8, mais ouais, il y en a un qui est parti. Donc, ouais, mais écoute, le top 8 quand même. Après, on le remettra. On le remettra. Voilà. Donc voilà, si jamais les participants du top 8 peuvent monter sur scène, j'appelle Chag, Orion, Crêpe Salée, Glutoni, Naitoru. Après, il faut que je me rappelle de tout le monde. Léon. Il y a qui d'autre? Il y a Rarkior, évidemment, et Trim. Voilà, j'ai appelé les 8 joueurs, j'en ai oublié aucun, c'est parfait. Vous êtes là, vous êtes présents. Normalement, il y a Karim Dasser qui va venir donner les médailles. Ouais, voilà, Karim. Merci à Karim. Donc voilà, ce sont des médailles qui ont été faites par un artisan. Voilà, vous allez pouvoir les avoir, du coup. Eh bien, c'est les médailles. Et ensuite, on assistera au couronnement de Gluto qui soulèvera cette magnifique coupe juste après. Donc en tout cas, voilà. Glutoni qui finit premier. Vous pouvez l'applaudir. Naitoru, deuxième de ce tournoi. Léon, troisième. Vous êtes dans l'ordre. Rarkior, quatrième. Ça fait cinquième avec Chag. Orion, cinquième. Chag, qui a fait un long chemin pour venir jusqu'ici, qui finit lui aussi cinquième, que vous pouvez applaudir. Et le dernier, Trim, qui est là, qui a fini septième. Applaudissez-le aussi, voilà, vous avez votre top 8. Bon, il en manque un, mais on lui donnera, voilà. Et du coup, Glutoni, je te laisse t'avancer, tout simplement, pour soulever ce trophée. Glutoni, qui devant une foule en délire, soulève sa première Solarinan. Ah là là, c'est plus notre LAN comme vous pouvez voir, hein. C'est leur LAN maintenant. Donc voilà, merci en tout cas à vous les ultras d'être venus aussi. GG Gluto, tu remportes du coup cette première Solarilan. Marcus, je vais te laisser me rejoindre. Il faut remercier des gens. Ouais, que, on va faire un peu le mot de la fin. Exactement, parce que sans ces personnes-là, eh bien, ce tournoi n'aurait jamais eu lieu. On n'aurait jamais Karim, pu avoir reste un tel avec endroit. Nous, Karim, parce d'abord, que... on va remercier Karim Dasser déjà, qui a financé en grande partie ce tournoi. Clairement. Voilà, vous pouvez l'applaudir. Parce que là, clairement, attends, je te vole ton micro. Parce que là, clairement, sans toi, cet événement, on va pas se mentir. Non, c'est gentil. C'est compliqué, ouais. C'est grâce à toi, bah, on va pas se mentir. Ouais, mais je suis vraiment pas tout seul. Il y a toute une équipe aussi au sein d'Acer, au sein du groupe. Tout le monde a adoré. C'était une expérience extraordinaire. L'événement est encore meilleur que ce qu'on avait pu imaginer. Non, vraiment, c'est pas que moi. Honnêtement, c'est vraiment au sein du groupe, on est nombreux. Il y avait Shérif qui était avec moi, là, juste là, qui m'aidait pour qui a remis les médailles avec moi. Robin, enfin vraiment, c'est un travail d'équipe et surtout merci à vous aussi parce que vous avez énormément travaillé sur la LAN. En vrai, c'est grâce à nous aussi, mais il y a aussi quelqu'un qu'on va remercier, qu'on va faire entrer, Antoine de la ville de Tours, parce que si on a eu le Vinci, si on a eu cet espace qui est magnifique, on va pas se mentir, si on a pu avoir cet amphithéâtre pour vivre des émotions. C'est en grande partie grâce à la ville de Tours, Antoine. Est-ce que tu avais déjà assisté à un peu une LAN, une ambiance comme ça? J'avais même participé aux anciennes DreamHack. Ouais. Donc, ah oui. Ouais. Et c'est donc pour moi un très très grand honneur de pouvoir me retrouver là et de pouvoir vous aider, vous faciliter la vie. Et j'ai envie que ça continue. Oh, donc j'espère que l'année prochaine, on vous soutiendra. On fera en sorte que vous ayez ces locaux. Et voire même encore mieux, tous les moyens nécessaires pour que vous puissiez faire. Ouais, parce que... Eh ben, parce que grosso modo, on va pas se mentir, c'est grâce à la ville, à la région de Tours où on n'aurait jamais,
on n'aurait jamais eu tout le Vinci, parce que c'est vrai que de retour des joueurs, ils avaient de l'espace, ouais. Ils avaient de la place, ils ont pu regarder les games dans des très bonnes conditions. Il n'y a pas eu de lag, il n'y a pas eu de problème. C'est dans l'histoire des LAN, je crois que c'est la LAN qui a eu le moins de problèmes. C'était c'est trop vrai. Propre, c'est trop vrai. Clean. Vous avez kiffé, vous ? Et c'est vrai que sans votre appui, sans votre aide, etc., il y aurait eu, mais en beaucoup moins bien, je pense. On n'aurait pas été là, déjà. Oui, on n'aurait pas été là, c'est donc compliqué. En beaucoup moins bien, quoi. Exactement. Dans un hangar miteux et tout. Ça aurait été dans nos locaux, quoi. Ouais. Donc, mais ça n'aurait pas été possible non plus sans vous. Merci. Parce que c'est parce que vous avez organisé qu'on a pu avoir cette magnifique LAN. Merci. Merci en tout cas à toi, Antoine. Clairement, merci Antoine. Faites du bruit pour Antoine. Et du coup aussi la ville de Tours, la région. Et merci beaucoup de nous accompagner. On va dire un peu le mot de la fin parce que, Le mot de la fin, merci aux autres sponsors aussi qui ne sont pas sur place. Merci à Intel, merci à Boulanger, merci à Seasons. Merci du coup. C'est bon, je crois que j'ai fait le tour. Ouais, des sponsors, il y a aussi Acer, Seasons. Il y a aussi des gens. La ville de Tours. Je sais que, tu vois, il y a deux personnes, Amaury et Baptiste, qui ont carré. Ils ont bossé d'arrache-pied. Même s'ils ont fait un peu moins que toi. C'est vrai qu'ils n'ont pas fait autant que moi, mais clairement, ça fait 4 mois qu'ils s'arrachent les cheveux, qu'ils sont tous les jours en call. Donc ouais, un maximum de big up pour Amaury et pour Tisba, parce qu'ils ont carry de A à Z et c'est les hommes de l'ombre. Et clairement, on est là grâce à eux. Hein. Oui, oui. Ils ne seraient pas là, il n'y aurait rien. Exactement. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé, que ce soit chez vous ou en live. N'hésitez pas à faire un maximum de retours. N'hésitez pas aussi à liker, à retweet, à partager, à partager vos émotions. Et à donner votre ressenti, parce que justement, c'est grâce au bouche à oreille que l'année prochaine, si on fait un événement grâce à Antoine, qui sera encore meilleur, qui sera encore plus rempli, on aura encore plus la possibilité de faire d'autres jeux, un tournoi Smash peut-être de 500, 1000 joueurs, on ne sait pas. En tout cas, voilà, c'est l'objectif. Et merci à vous d'être venu encore une fois pour cette première. Et en espérant qu'il y a une deuxième, on vous fait des bisous, rentrez bien. Et puis, peut-être à l'année prochaine. Salut tout le monde! Ciao! Bonne soirée!